Bonjour les amis, je ne vais pas chanter, mais normalement je devrais vous chanter la Pena Bayona, puisqu'aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur les piments. Regardez, vous avez en face de vous un magnifique piment d'Espelette de taille. Hein, il est beau, hein. À quoi reconnaît-on le piment d'Espelette? On le reconnaît à sa fleur. En fait, le piment d'Espelette est le seul à avoir une seule fleur sous l'aisselle. Il n'y en a qu'une. Vous voyez, une seule fleur par tige sous l'aisselle. C'est ainsi que vous saurez que vous avez du piment d'Espelette entre les mains, du vrai. À côté, nous avons un autre piment qui est, lui, le piment de Cayenne. Vous voyez, il est bien plus petit, bien plus fin. Et lui a plusieurs fleurs. Il peut pousser avec plusieurs, enfin, il peut pousser à plusieurs sur le même pied, enfin, sur la même tige, excusez-moi. Sur la même tige, on peut avoir plusieurs piments de Cayenne. Et ici, vous avez le piment basque, qui donc lui aussi peut avoir plusieurs fleurs. Vous voyez, on le voit ici par exemple. Là, on a plusieurs fleurs sur la même branche. Là, il s'agit du piment basque, qui est un piment doux. Piment d'Espelette, une fleur sous l'aisselle. Piment basque un petit peu cornu, plusieurs fleurs sur la même branche. Et le Cayenne qui est plus petit. Donc je répète, je vous les ai mis en bas. Le Cayenne, il pique à mort. À mort. Celui-là, il va servir pour le sécher, pour faire des poudres, voilà. Le piment d'Espelette est possible, on peut le consommer frais, on peut aussi le consommer sécher, faire de belles tresses, sachant que celui-ci est plus dur à avoir puisque c'est interdit de faire pousser du piment d'Espelette si vous n'habitez pas à Espelette. Et ici, vous avez le piment bien de chez nous, qui est le piment basque, celui qu'on met dans toutes les salades et qui est doux aussi. Il est un tout petit peu piquant, mais vraiment à peine. Voilà les amis, je pense que vous savez tout maintenant. Une seule fleur sous l'aisselle, piment d'Espelette. Plusieurs fleurs, piment basque. Plusieurs fleurs et tout petit, piment de Cayenne. Il va rougir celui-là, il va devenir très très rouge. Voilà, je vous fais un gros bisou. Salut les amis, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Si vous n'avez pas compris, hein, je recommence. Ciao.